Bonjour, cher élève. Aujourd'hui, tu vas apprendre avec nous une nouvelle leçon. Il s'agit de la séance de l'oral en image, de la première séquence du troisième projet. Au fur et à mesure, tu vas arriver. Je suis sûre que tu arriveras à produire un court énoncé oral pour convaincre tes camarades à sauvegarder la nature. C'est facile à faire. À la fin, tu vas le constater. Alors, on commence par la situation de départ. Écoute attentivement la situation de départ. Tu as constaté que le parc du quartier commence à se dégrader. Ordures déversées, grilles saccagées, arbres coupés et arrachés. Alarmé par cette situation, tu décides d'attirer l'attention des habitants. Tu vas leur expliquer l'importance de préserver cet espace vert et tu leur recommanderas de planter des arbres. Pour cela, tu devras trouver les avantages des arbres. Essayons d'analyser les images suivantes. Maintenant, je t'invite à regarder le support image qui s'affiche sur ton écran pour répondre aux questions. J'observe et je dis. Première question. Observes-tu? Deuxième question. Quel est le facteur commun entre eux? La troisième question. De quelle journée parle-t-on?
Maintenant, vérifie ta réponse. J'observe et je dis. Qu'observes-tu? Oui, j'observe quatre images. La terre aride, la sécheresse, une petite plante qui pousse dans un sol aride, du sable, des dunes de sable, la désertification. Quel est le facteur commun entre la désertification et la sécheresse? Le facteur commun entre eux est la désertification et la sécheresse. De quelle journée parle-t-on? On parle de la journée du 17 juin, la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Lis les titres et les annotations qui accompagnent cette illustration. Première question. Comment appelle-t-on ce genre de document? La deuxième question. À qui s'adresse-t-elle? Troisième question. Dans quel but? La dernière question. Les textes de l'affiche nous annoncent un événement lequel? Maintenant, vérifie ta réponse. Comment appelle-t-on ce genre de document?
Ce genre de document est une affiche publicitaire. À qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à tout le monde. Dans quel but? Pour sensibiliser et informer. Les textes de l'affiche nous annoncent un événement. Lequel? La journée mondiale de la lutte contre la désertification. La cinquième question. Quelles sont les causes de ce phénomène? Peux-tu citer les causes de ce phénomène? Sixième question. À ton avis, comment peut-on lutter contre cette calamité naturelle, contre ce drame, contre cette catastrophe? Maintenant, vérifie ta réponse. Quelles sont les causes de ce phénomène? Peux-tu citer les causes de ce phénomène? Oui, les causes de ce phénomène sont nombreuses. La sécheresse, la déforestation, le surpâturage et l'érosion. À ton avis, comment peut-on lutter contre cette calamité naturelle, drame? Catastrophe. Plantation des arbres. On doit planter des arbres et non pas détruire les forêts.
Réponds aux questions suivantes, de telle manière à formuler un énoncé cohérent. On commence par la présentation du thème. Quel est le phénomène dangereux qui menace les terres fertiles? C'est quoi la désertification? Fais la récapitulation de cette partie. Maintenant, vérifie ta réponse. Dans la première partie, qui est l'introduction, tu dois présenter le thème qui est la désertification. Quel est le phénomène dangereux qui menace les terres fertiles? C'est la désertification. Le phénomène dangereux qui menace les terres fertiles est la désertification. C'est quoi la désertification? La désertification est la transformation des terres fertiles productives en désert. La première récapitulation. La désertification est la transformation des terres fertiles en désert. Les causes de la désertification. Par quoi est causé ce phénomène? Qui provoque la désertification? La déforestation et l'avancée du désert provoquent quoi? La déforestation et l'avancée du désert entraînent quoi? Fais la récapitulation de la deuxième partie. Maintenant, vérifie ta réponse. Par quoi est causé ce phénomène, autrement dit, qui provoque la désertification? Ce phénomène est causé par la déforestation et par l'avancée du désert. La désertification est causée par la déforestation et par l'avancée du désert. La déforestation et l'avancée du désert provoquent quoi? La déforestation et l'avancée du désert provoquent la disparition des terres à cultiver.
la deuxième récapitulation. Elle est causée par la déforestation et par l'avancée du désert qui entraîne la disparition des terres à cultiver. Peux-tu répéter les deux récapitulations précédentes? Très bien. Tu vois que c'est facile. On continue. Je donne mon avis. À ton avis, que faut-il faire pour lutter contre ce phénomène? Tu penses planter des arbres? Pourquoi? Alors, que fait l'arbre? Maintenant, vérifie ta réponse. À ton avis, que faut-il faire pour lutter contre ce phénomène? Pour lutter contre ce phénomène, je pense qu'il faut planter des arbres. Tu penses planter des arbres? Pourquoi? As-tu trouvé la réponse? C'est bien. Je pense planter des arbres car ils purifient l'air et freinent l'avancée du désert. Alors, quel est le rôle de l'arbre? Que fait l'arbre? L'arbre nous donne du bois, des fruits. L'arbre forme un beau décor naturel. L'arbre purifie l'air. L'arbre freine l'avancée du désert, l'arbre maintient le sol par ses racines, l'arbre est l'abri des oiseaux. La troisième récapitulation. Pour lutter contre ce phénomène, je pense qu'il faut planter des arbres car ils forment un beau décor naturel. Ils purifient l'air et ils freinent l'avancée des déserts en maintenant les sols par leurs racines.
peux-tu faire une récapitulation générale? Le premier énoncé. La désertification et la transformation des terres fertiles en désert. Elle est causée par la déforestation et par l'avancée du désert qui entraîne la disparition des terres à cultiver. Pour lutter contre ce phénomène, je pense qu'il faut planter des arbres, car ils forment un beau décor naturel. Ils purifient l'air et ils freinent l'avancée des déserts en maintenant les sols par leurs racines. Le deuxième énoncé. La désertification et la transformation des terres fertiles en désert. Ce phénomène menace tous les continents et en particulier notre pays à cause de la déforestation, ce qui fragilise les sols qui ne sont plus maintenus par les racines. À mon avis, le seul remède à ce phénomène est le reboisement, la plantation des arbres. Par conséquent, l'avancée du désert sera ralentie. Activité ludique. Il faut, il ne faut pas. Choisis les expressions qui conviennent avec il faut et celles qui conviennent avec il ne faut pas. Couper les arbres, préserver la faune et la flore, jeter les papiers par terre, polluer l'environnement, détruire les richesses naturelles, sauvegarder les animaux, dénoncer les comportements négatifs, protéger l'environnement, arroser les plantes, brûler les forêts, être vraiment des éco-citoyens.
Oui, il ne faut pas couper les arbres. Il ne faut pas jeter les papiers par terre. Il ne faut pas polluer l'environnement. Il ne faut pas détruire les richesses naturelles. Il ne faut pas brûler les forêts. Évidemment, il faut préserver la faune et la flore. Il faut sauvegarder les animaux. Il faut dénoncer les comportements négatifs. Il faut protéger l'environnement. Il faut arroser les plantes. Il faut être vraiment des éco-citoyens. Deuxième activité ludique, en faveur ou en défaveur. Trouve les arguments en faveur et en défaveur de l'existence des parcs zoologiques. Les animaux sont privés de liberté. Les animaux sont nourris, soignés. On peut admirer la diversité des espèces animales. Les animaux manquent d'espace. Les animaux n'ont pas le comportement qu'ils ont lorsqu'ils sont dans la nature. Chaque ville importante devrait posséder son parc zoologique. Le zoo pose un problème de sécurité dans les villes. Les animaux menacés de disparition peuvent échapper aux chasseurs sans scrupules. C'est un moyen de connaissance des animaux.
dois compléter le tableau suivant. Dans la première colonne, arguments en faveur de l'existence des parcs zoologiques, les arguments pour. Dans la deuxième colonne, arguments en défaveur de l'existence des parcs zoologiques, des arguments contre. Les arguments pour l'existence des parcs zoologiques sont: les animaux sont nourris, soignés. On peut admirer la diversité des espèces animales. Chaque ville importante devrait posséder son parc zoologique. Les animaux menacés de disparition peuvent échapper aux chasseurs sans scrupules. C'est un moyen de connaissance des animaux. Les arguments contre l'existence des parcs zoologiques. Les animaux sont privés de liberté. Les animaux n'ont pas le comportement qu'ils ont lorsqu'ils sont dans la nature. Les animaux manquent d'espace. Le zoo pose un problème de sécurité dans les villes. Passons maintenant à la situation d'intégration. Écoute, tu es un membre d'une association de défense de la nature et des animaux. Tu es inquiet. Tu décides de sensibiliser tes camarades sur la nécessité de préserver la faune et la flore. Réalise une affiche incitant tes camarades à préserver la faune et la flore. Thank you.
voici un exemple d'une affiche qui nous incite à protéger la faune, surtout les animaux en voie de disparition, à cause des catastrophes naturelles et humaines, telles que la chasse, la pollution, la déforestation et les incendies. Chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour ton attention et à bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.